avec toi, non, tu préfères? Bah non. Bon, bonjour. Dobar dan. Je, ja. Ja, dobra. Ti peđe tu sa. Voilà. Bon, alors, ça va durer à peu près 37 minutes. Hein? Après, on passera un petit film peut-être. La présentation va durer verovatno 37 minutes, après, il peut y avoir un film. Si ça fonctionne, hein? Mais ça va fonctionner. Voilà. Ne brinite, sve će funkcioniš. Scénario. Quelque part dans le monde. Jeudi. Présentation. Pierre Mereshkovski, nom de naissance. Pierre Mereshkovski, naissance. 26 novembre 1955, Paris. Nationalité française. Profession, philosophe, réalisateur, écrivain. Scénario. Sekvence 1 u nekom delu sveta. Govori, prezentacija, ime pri rođenju je Pierre Mereshkovski, rođen 26. novembra 1955. u Parizu, profesija, filozof, reditelj, pisac. Značajni filmovi. Non, mais c'est quoi ce film notable. Scène de ménage chez les gauchistes, nous venons du chômage. Film, le cinéaste village de l'utopie, voyage au cœur de l'Europe socialique, à propos des rectés, insurrection, résurrection, filmer et punir, que faire? Les hommes prophétiques, distribution, coopérative des mutants de Tanger, collectif jeune cinéma, l'art du film. Domaća scena među levičarima, hoćemo nezaposlenost film, filmski stvaralac Selo i utopija, ustaneš i oni ti aplaudiraju, o Eriku B, revolucija ponovo buđene, film i kazna, šta da se radi, ljudi proroci, a distribucija dolazi od pobunjenika zadruge Pangea. Mereshkovski, Mereshkovski, décide de naître le 26 novembre 1955. Justificatif sur demande. Il n'a aucun souvenir de son enfance, aucun, ni de ses parents, ni de son frère, bien que son père, il l'a su par la suite, était membre de la commission de vérification des autobiographies des membres du Parti communiste anti-titiste. Mais je suis partisan de l'amitié serbe, propre serbe. La grisaille et l'ennui profond de la cour d'école se dissipa au début de son adolescence. En effet, les élèves de sa classe du lycée Buffon sont en grève générale et définitive contre le capitalisme. Il rejoint le groupe des inorganisés, sans parti, qui affirme que l'acte collectif artistique désintéressé et que l'incohérence sont révolution. Il participe dans les années 70 à la réalisation du collectif du film L'affaire Uriez, le fils d'Yvonne Uriez, qui s'est suicidé à la suite de l'incarcération de sa mère pour un chèque sans provision de 70 francs. Refusant tout système d'éducation cinématographique contradictoire, selon lui, avec l'idée, I majuscule, il s'exile volontairement à la campagne pour créer une communauté de base avec les ouvriers agricoles, l'arbre et les filles délinquantes. À son retour, il tourne le film « Scène de ménage chez les gauchistes », un long plan séquence de cette époque, début des années... Ah, j'ai perdu la page. Il y a un problème de cette époque, poussé d'espoir fondé sur la certitude que le peuple est bon. Arrêt général de toute activité artistique pendant 10 ans. Il travaille à mi-temps ensuite dans le service informatique de la Bank of Boston. Je suis américain. Pendant 10 ans. Il finit par rencontrer les vendeurs à la sauvette des Champs-Élysées. Un vendeur à la sauvette iranien lui dit « Pierre, tu dois faire tourner des films. » Il achète une bobine de 16 mm et Mereshkovski réalise le film, un chant visionnaire des possédés de Dostoïevski avec des vendeurs à la sauvette. Mereshkovski odlučuje da se rodi 26. novembra 1955. prokrata dokumenta na zahtev.
Nema seče na detinjstvo, na roditelje, na brata. Sivilo i duboka dosada školskog dvorišta nestaju na početku njegove adolescencije. Učesnici njegovog razreda u liceju Buffon štrajkuju protiv kapitalizma. Pridružuju se grupi neorganizovanih bez stranke koji potvrđuju da su nezainteresovani. Kolektivni umetnički čin i nepovezanost revoluciji. 70. godine prošlog veka učestvuje u kolektivnoj produkciji filma Slučaj Furies. Sin Ivone Aš izvršio je samoubistvo nakon što je bio u zatvoru zbog čeka bez pokrića na 70 franaka. Odbijajući svaki sistem kinematografskog obrazovanja koji je po njemu kontradiktoran sa idejom, on se dobrovoljno proteruje na selo da bi stvorio osnovnu zajednicu sa poljoprivrednicima, drvetom i delinkventima. Po povratku snimio je film Porodična scena kod levičara koji predstavlja dugu sekvencu talasa nade zasnovane na veri da su ljudi dobri. Opšti prestanak svake umetničke delatnosti koji traje 10 godina. Povremeno radi u kompjuterskom odjeljenju banke Boston na Jelisejskim poljima i tako 10 godina. Na kraju upoznaje ulične prodavce na Jelisejskim poljima. Ulični prodavac iranskog porekla mu kaže: Pierre, može da snimaš filmove. On kupuje rolu od 16 mm i pravi film. Sa vizionarskom pesmom ljudi opsednutih Dostojevskim i sa uličnim prodavcima. La radio France Culture, qui n'était pas à cette époque aux mains de Laure Adler, c'était pas Laure Adler, diffuse la bande-son du film Film, que Merezkowski a réalisé. La banque de Boston fait faillite. Séjour à Mexico, face à son désarroi provoqué par son retour dans son pays, une rencontre de hasard de Merezkowski dans les années 90, qui deviendra un être cher, lui propose de passer dans son salon son film Film. C'est le début. Merezkowski réalise alors des films écrits, compose des bandes-sons, participe à des zones temporaires d'action cinématographique. Il rejoint la refondation du collectif Jeune Cinéma Marcel Mazet, qui inscrit tous ses films dans son catalogue, et il pose la question: le cinéma expérimental est-il compatible avec la location de films? C'est-à-dire, le cinéma expérimental est-il une épicerie stupide, chargé de vendre des films, de les louer avec un plan comptable et tout le Bataclan. Voilà. Est-ce que l'expérimental peut être soluble dans l'épicerie? Et c'est la même chose pour le NPA, tendance B et C. Je ne sais pas peine d'introduire. Je ne vais pas faire des histoires pour en servir. Merci. On parle pas. Tu veux que je traduise ça? Oui, ça, mais pas l'histoire du NPA, parce que c'est un truc trotskiste. Je ne sais pas en servir, c'est peut-être. Non, non, ça va, tu sais que. Tu es sûr? Oui, que le personnage majeur anarchiste, c'est Gavrilo Princip. Oui, et je sais qu'il se réunissait à l'hôtel de Moscou, par dérision, au grand hôtel où je suis allé. Alors, ja sam sigurno da Pierre može sve ovo da pročita, ali on kako se predstavlja da ne zna srpski. Znači, Radio Francuska Kultura emitio muziku za ovaj film. Bostonska banka je bankrotirala, a on otputovao u Meksiko. Suočio se sa nevoljom nakon povratka u svoju zemlju. Slučajni susret tokom 90. donosi mu voljenu osobu koju nudi da prikaže svoj film u dnevnoj sobi. To je početak. Merezkowski režira filmove, piše, komponuje, zvučne zapise, učestvuje u privremenom filmskom akcionim zonama. Pridružuje se ponovnom osnivanju kolektiva Jean Cinema, Marcel Mazet. Navodi zatim svoje filmove u svom katalogu. On zatim postavlja pitanje da li je eksperimentalni bioskop kompatibilan sa iznajmljivanjem filmova i prisustvom plaćenog zaposlenog. Les crises de panique de Merezkowski, engendrées manifestement par son refus de tout territoire, je ne sais pas si je vais le dire, bon, de tout territoire politique, disons. Ouais, de tout territoire politique. Ah, okay. Attends, je perds, parce que ça ne correspond pas à... Page 7. Page 7. Je suis arrivé ici, à Zalea. Bon, ça fait rien. Bon, faut continuer. C'est le destin. L'Ardux produit par le conduit entré. Voilà. Ces crises de panique engendrées par son refus de tout territoire amoureux ou politique le conduit à entrer en contact avec des producteurs. L'Ardux produit sans financement le film à propos d'Éric P. Ce film est vendu à Arte France, FR3 et remporte des prix dans des festivals.
Il réalise dans le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand le film « Vous vous et vous applaudissent » qui questionne le traitement par l'organisation d'un festival des minorités agissantes. Ok, je vais faire une petite saute. Rare deux finalités. Svet postaje napet, ekonomska kriza, opadanje utjecaja političkih tradicionalnih sindikalnih organizacija, učestvovanje u stvaranju nacionalne televizije trećeg sektora, takozvane televizije Zalea. Voilà, exactement, on en est là. Début des années 2000, le monde se tend. Crise économique, baisse de l'influence des organisations syndicales, politiques et traditionnelles. Et effondrement aussi, par la même occasion, du groupe Paris 8, qui reste en place pour des raisons que je n'ai pas envie de développer maintenant. Merejkovski participe à la création de la télévision nationale du tiers secteur Zalea Télévision. Zalea a coproduit avec le CNC ses deux longs métrages, Que faire et Les hommes prophétiques, qui refusent d'enfermer l'identité dans une carte d'identité, dans un territoire, étant entendu que la pensée est identité. Il n'a donc rien à voir avec le territoire. Les éditions Sens et Tonka publient Moi Autobiographie, 14e version, qui sera adaptée par le cinéma et le concours du CNC. Zalea est avec SNC-om, proizvela njegova dva igrana filma, Ko afer et Ljudi proroci, qui odbijaju da svedu identitet na teritoriju policajca na sudiju. Izdanje Sens i Tonka objavljuje moju autobiografiju 14 verzija, koja je prilagođena za bioskop i potpomognuta od Centre National de Cinéma. Ibu Production produit ses trois autodocumentaires, Le cinéaste Viage et l'Utopie, La Petite Guerre, Le RMI, c'est la vie, et Voyage au cœur de l'Europe socialique. Socialique. Ibu Produkcija proizvodi sva tri samodokumentarna filma, Filmski stvaralac, Selo i Utopija, Mali rat, RMI je život i Put u srce socijalne Evrope. Il poursuit en même temps de la diffusion de ses films, produits dans des lieux festivals alternatifs dans un stade de cinéma. Insurrection, résurrection, que faire, film et punir, que les critiques qualifient d'une certaine et émouvante nostalgie révolutionnaire. Ça, c'est ce qu'elle écrit Luma. Une nostalgie émouvante de la révolution. Voilà ce qu'avait écrit le journal L'Humanité. Ça n'était pas traduit ici. Non, mais je le rajoute pas. Mais on fait attention à ce qu'on dit. Istovremeno, nastavlja da emituje svoje filmove proizvedene na alternativnim festivalima 20. godina ovog veka. Tokom krize žutih prsluka snimaju filmove o žutim prstucima, Samir i u grupi, Ne postoji više centralni komitet, Naše vanredno stanje itd. U sanitarnoj krizi, uz pomoć grupe Radar, proizvodi anarhističku radiostanicu sa filmovima koje emituju u podrumu svoje zgrade. Znači podrum, stepenice i vezni put. Izdavač L'Obsidien također objavljuje njegovu priču o koronavirusu. Dans les années 2000, pendant la crise des Gilets jaunes, il réalise seul ou en collectif des films sur les Gilets jaunes. Il n'y a plus comité central, l'État dans notre urgence. Avec la crise Covid, il réalise avec le concours de Radio Radar, une radio anarchiste, des films dans des caves qu'il diffuse dans la cave de son immeuble. Entre autres, la cave, les punaises de lit et le compteur Linky. Les éditions de L'Obsidienne publient également son abécédaire sur le coronavirus. Depuis, il poursuit son travail mêlant des producteurs, des éditeurs, des rencontres de hasard et le théâtre autour du scénario à propos de Piotr qui n'est pas Piotr. Autre chose, l'intention générale. Les différentes crises sanitaires, culturelles et politiques que nous traversons trouvent généralement leur explication dans une culpabilisation acharnée du citoyen qui serait, par son irresponsabilité et par son incivisme, l'unique responsable de sa perte d'emploi, du réchauffement climatique et de la pandémie du Covid et du le punaise de lit. Les films et les écrits de Merejkovski s'inscrivent dans leur mode de fabrication, dans leur diffusion, sur une sorte d'assemblée générale, espace de parole, qui serait ainsi une réponse à la culpabilisation généralisée et permanente qui exonère les structures de pouvoir de toute responsabilité, y compris les cinématiques. Opšta namera mu je da predstavi različite zdravstvene, kulturne i političke krize kroz koje prolazimo, a koje uglavnom nalazi svoje objašnjenje u krivici građana koje navodno svojim neodgovornošću i neuljudnošću, to je jedno lice, odgovorno za gubitak posla, globalno zagrebanje, a i za pandemiju COVID-a. Filmovi s
spisi mereškolskog predstavljaju ujedno određeni način proizvodnje i njihovu distribuciju u okviru govornog prostora koji daje odgovor na opštu i trajnu krivicu vlasti oslobođene svake odgovornosti. Treća sekvenca. Le réel et son cinéma. Pour Merezhkovski, le réel est une question de point de vue. Il est donc illusoire de vouloir donner la parole dans un film, parce que donner la parole, c'est décréter qu'il y a une parole. Or, la parole entendue, filmée ou écrite n'est que le reflet de nos impressions. La parole est donc sens caché. Le réel, en ce sens, est une imposture qui a juste pour fonction de conforter les dominants dans la nécessité de notre asservissement. Pour cette raison, les films écrits de Merezhkovski ne sont que commentaires, sa vie et ses yeux commentaires, d'où le filmage et l'écriture de ses crises de panique d'un être qui, refusant le réel, se trouve obligatoirement confronté à un réel dans lequel il ne se reconnaît pas et qui ne peut que difficilement générer un contact ou une entente. D'où la nécessité pour Merezhkovski de réécrire et de réaliser des films afin de confronter ce qu'il refuse d'appeler son réel au réel de la réalisation d'un film, sa diffusion ou d'un écrit. Voilà. Treća sekvenca koja govori u prilog ogromnom talentu, spisateljskom talentu gospodina Merezhkovskog juniora. Treća sekvenca, stvarnost i njen bioskop. Za Merezhkovskog stvarno je pitanje tačke gledišta. Stoga je iluzorno želiti da se u filmu čuje glas. Jer dati da se čuje reč znači odrediti postojanje te reči. Ali reč koju čujemo, bilo da je snimljena ili napisana, je samo odraz naših utisaka. Reč se dakle javlja u svom skrivenom značenju. Stvarnost u ovom smislu je prevara, čija je funkcija da osnaži vlastodržca u potrebi za porobljavanje. Iz tog razloga, filmovi i spisi Merezhkovskog su samo komentari. Njegov život je puki komentar njegovog pogleda. Od tuda snimanje i pisanje njegovih napada, panike, jesu akcije bića koje se odbijajuće stvarnost nužno suočava sa stvarnošću koju ne prepoznaje. Od tuda potreba Merezhkovskog da piše i režira filmove kako bi suočio ono što odbija da nazove svojom stvarnošću sa stvarnošću snimanja filma, njegove distribucije ili pisanja. Šta je pisanje? Les écrits de Merezhkovski n'ont pas pour fonction de décrire ou d'observer. Ils sont en quelque sorte son compte-rendu fondé sur son seul ressenti et ne prétendent à aucune objectivité. Plusieurs revues littéraires ou militantes ont publié ses chroniques permanentes. La Revue Bleue a ainsi consacré un numéro spécial sur son travail. La Revue du Bordelot a publié ses chroniques permanentes concernant l'enterrement de Marguerite Duras. Le site Il faut le faire a publié ses commentaires appelant à la non-organisation du mouvement des Gilets jaunes. La revue Scribulation a publié sa vision de l'explosion d'un réacteur nucléaire le jour de la fête nationale du 14 juillet. Les textes de ses écrits présentés sous forme de brochures reliées par une petite ficelle ont été édités par Sens et Tonka, l'édition L'Obsidienne, Plala Édition, Sanurezo, Mediacoupe et Il faut le faire. Ces petites brochures sont également le matériel initial de ses films autoproduits, en particulier Rachel et les islamo-gauchistes. Elles sont matrices d'un film au sens où ses écrits sont envoyés aux participants du film opérateurs, monteurs, comédiens, qui s'empare, comme il le souhaite, de ce film afin de constituer une zone de commentaires. La brochure L'Abbé Pierre n'est pas un homme respectable, est ainsi la dérivée du film Lux Perpetua. Pisanje, njegovi spisi nemaju funkciju opisivanja niti posmatranja. Oni su na neki način njegov prikaz zasnovan samo na njegovim osjećanjima i ne zahtevaju nikakvu objektivnost. Nekoliko književnih ili militantnih časopisa objavljuje njegove stalne kolumne. Revi Ble je posvetio posebno izdanje njegovom radu. Revija Bordelo objavila je u stalnoj kronici njegov komentar o sahrani Margaret Duras. Sajt, to mora da se uradi, objavio njegove komentare u kojima poziva na neorganizovanje pokreta žutih prsluka. Neorganizovanje. Časopis Scribulation objavio njegovu viziju eksplozije nuklearnog reaktora na dan državnog praznika 14. jula. Njegovi mali pamfleti su također početni materijal za njegove filmove u sopstvenoj produkciji, posebno Rašel i Levičar i Slabost. Oni su matrice filma
u smislu da se ovi spisi šalju učesnicima filmskog operatera. Brošura Monah Pierre nije ugledan čovjek je derivat filma Lux Perpetua. Séquence 4, au milieu de la nuit. U filmski esej njegova estetika. Filmovi potpomognuti... Les films de Merezhkovski, produits ou autoproduits, reposent sur un texte écrit au préalablement. Ce texte n'est ni un scénario, ni une continuité dialoguée. Les participants des films participent ainsi avec Merezhkovski à un espace de confrontation verbale permanent à partir du texte qui devient ainsi un film. Étant entendu naturellement que cet espace de confrontation verbale est ouvert à tous et à toutes, les éléments imprévus du tournage, bruit d'avion, intervention brusque de passant, deviennent dramaturgie parce que le peuple, la vie et création, contrairement au droit d'auteur, contraint de respecter un scénario qui est un territoire de l'art. Filmovi potpomognuti produkcijom ili samoprodukcijski filmovi Merezhkovskog zasnovani su na prethodno napisanom tekstu. Ovaj tekst nije ni scenarij, ni kontinuitet dijaloga. Podrazumeva se da ovaj prostor verbalne konfrontacije da je otvoren svima, nepredviđeni elementi snimanja, buka aviona, iznenada intervencija prolaznika postaju dramaturgija, jer je život ljudi kreacija suprotna autorskim pravima, prinuđenim da poštuju scenariju koji je teritorija dolara. Le blog et les pages internet de Merezhkovski deviennent ainsi appel à participation à des tournages, à des présentations et à des prises de parole. Pour cette même raison, Merezhkovski n'a jamais contrôlé, cherché à contrôler, ni à encadrer ce qui est dit et écrit sur lui. Iz istog razloga, Merezhkovski nikada nije pokušao da kontroliše ili uokviri ono što se o njemu objavljuje ili govori. Njegovi filmovi su prošarani pozivima da pokreti zauzmu pozicije, čiji je smisao i razlog teško raspoznatljiv, jer se u njegovim očima pre svega ne radi o organizovanju pokreta, već o podsizanju pokreta koji je obećanje, koje nema kvalitativnu svrhu, stoga je nemoguće reciklirati ga. Misao za Merezhkovskog je identitet, teritorija za Merezhkovskog je zatvor. Iz tog razloga on brani koncept manjinskih projekcija. Sekvenca bis, 4 bis, kratkog trajanja. La pensée pour Merezhkovski est identité. Le territoire pour Merezhkovski est enfermement. C'est pour cette raison qu'il défend le concept de projection minoritaire, c'est-à-dire des projections fondées sur le désir et non sur une industrialisation de masse. Projections qui, à leur tour, deviennent prétexte à un autre film, signifiant ainsi que le film ne peut, à ses yeux, être achevé ni momifié. Voyage, le monde est espace de parole. Merezhkovski voyage avec ses films. Peu importe le lieu de la projection, peu importe le nombre. Il a ainsi projeté ses films devant 3 personnes pendant 3 jours. Ou bien dans la Cinémathèque de Paris. Il a passé examen des films en Serbie, rencontres qui ont donné lieu au texte Chroniques belgradoises, publié par Mediascope Éditions. Les projections qui ont été organisées par Nina Zivansevich s'inscrivent dans ce cadre particulier. Elles ont été pour Merezhkovski la preuve que la pensée existait en dehors de la langue et du territoire. Le désir de création d'un mouvement, les plans-séquences, les jeux maladroits et assumés des comédiens, la multiplication des thèmes, les câbles, les barrières, tous ces éléments se sont retrouvés brusquement confrontés avec ce qu'il imagine être le passé de la Yougoslavie, comme si à travers ces espaces-temps, il s'agissait de créer de nouveaux espaces de parole. Sekvenca 4 bis, Merezhkovski putuje sa svojim filmovima bez obzira na lokaciju projekcije. On je 3 dana projektovao svoje filmove ispred 3 osobe ili u Parijskoj kinoteci. Također je prikazivao filmove u Srbiji, susreti na kojima je nastao tekst Synchronicus Belgradoazis u izdanju Mediokopa. Projekcije koje je organizovala Nina Živančević su deo ovog konkretnog okvira. Séquence 5. Devant le regard d'une femme dans une salle vide. Militantisme.
Depuis les années 70, Merezhkovski participe à l'occupation des lieux artistiques ou de diffusion des films dans des cafés. Sa participation devient film. Il a ainsi créé l'émission Notre Parole sur Zaléa Télévision, qui était le reflet d'une propre liberté dans une télévision qui prenait sa propre liberté. Émission qui fut ardemment soutenue par la direction de Zaléa, malgré la critique de militants qui estimaient que Notre Parole n'apportait strictement rien au débat. Il a ainsi participé à la création d'espaces de parole autour de ses films dans le cinéma Utopia de Lille, en collaboration avec l'association Les David, et il a enfin réalisé et présenté ses propres visions de la situation dans une banlieue qualifiée de difficile dans le cadre des activités de l'association lacanienne Il faut le faire. Sekvenca 5. Pred jednim jedinim gledalcem u bilo kojoj bioskopskoj sali. Aktivizam. Od 1970. Merezhkovski je učestvovao u zauzimanju umetničkih mesta ili u prikazivanju filmova u kafićima. Njegovo učešće postaje film, tako je kreirao program Notre Parole, naša reč, na televiziji Zaléa, koji je odraz njegove sobstvene slobode na televiziji koja se zalaže za sobstvenu slobodu. Séquence 7. Réponse à la salariée qui m'a rappelé que je n'avais pas honoré mon engagement d'être présent à la rencontre entre les adhérents de l'Union des cinéastes. Sekvenca 7 u kojoj se nekoliko mlađih i starijih žena nalaze ili u kolicima ili u avionu ili u travi. Poštovani zaposleni u SFR, preduzeću SFR. Cher salarié, vous avez entièrement raison. Je n'ai pas tenu l'engagement que j'avais pris de participer au débat adhérent vendredi dernier dans les locaux de l'Union des cinéastes. Et pire, aux yeux de vos employeurs, puisque vos adresses mail stipulent que vous ne m'écrivez pas en votre nom, je n'ai pas prévenu de ma défection. Je pourrais vous donner des raisons de ma défection, mais je ne pense pas que vos employeurs soient intéressés par ce qu'ils appellent des problèmes personnels, puisque pour eux, l'Union des écrivains et des cinéastes a vocation à défendre la production française insoumise nationale, et que dans ce cas, des problèmes personnels ne les intéressent pas. Les raisons de ma défection hors problèmes personnels reposent en partie sur la certitude que l'Union des cinéastes françaises, comme n'importe quelle structure de pouvoir, ne changera jamais son mode de fonctionnement, puisqu'elle repose sur le vote majoritaire qui a pour fonction de créer un consensus mou qui, en écartant tout problème personnel, défend l'intégrité de la structure contre toute intrusion extérieure qui risquerait de remettre en cause son mode de fonctionnement. Point que je m'étais permis d'aborder dans le groupe de travail Insertion, Parité et Société et qui concernait les commissions du CNC et régionales ou municipales. Et pire, que toute personne qui de bonne foi voudrait transformer la structure de l'intérieur se verra marginalisée, ridiculisée par la peur que suscite justement la remise en cause d'une structure qui permet de justifier une présence ainsi que ses jetons de présence. Ma non-venue est une marque de soutien à vos employeurs qui pourront ainsi une nouvelle fois se gargariser sur la dépolitisation des jeunes, sur le Internet égout, le manque de solidarité, etc., etc., sans jamais un seul instant se remettre en cause, ne prenant pour la cause qu'ils nomment, en effet, l'Union des cinéastes et des sociétés d'auteurs, ne prenant comme seul critère l'audimat, agissent pour supprimer tous les espaces de création qui ne tiennent pas compte de l'audimat. Et naturellement, la société des auteurs participe à ce système de royalties des sociétés d'auteurs pour le fonder sur le seul critère de l'audimat. Le conseil de l'administration de l'Union des cinéastes français, insoumis, non-internationaliste et non manipulé par les trotskistes, je le sais, parce que les trotskistes ont tous été virés de l'Union des cinéastes français, insoumis, je le sais. Alors, qui défend, voilà, en clair, ce n'est pas parce que vos employeurs nous donnent la parole pour nous exprimer entre nous, puisque vous stipulez bien dans vos courriers que c'est les employeurs qui nous proposent
de participer à cette rencontre dont ils ont eux-mêmes choisi la date sans me consulter un seul instant sur ma disponibilité personnelle et sur l'état fondamental de mes crises de panique. Nous n'avons pas besoin de vos employeurs dans l'occupation de Mulhouse par la Cinémathèque. Car nous avons occupé la Cinémathèque et nous n'avons pas demandé l'autorisation de l'Union des cinéastes. Alors, les syndicats étaient là pour protester pour une sorte de caissière qui s'était fait tirer. Et là, tout le monde a parlé, tout le monde a parlé. Même le mec de la Cinémathèque s'est mis à dire « La Cinémathèque, la Cinémathèque, qui est liée à l'amitié éternelle, 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 franco-serbe, a pour fonction de faire venir des touristes à Paris. Donc, les films de Pasolini, on s'en fout. Les urbains de Pasolini, ce salopard, parce que c'est un salopard. Non, c'est pas un salopard. Il faut être en amour de son prochain. Il n'y a pas de salopard, il n'y a que des gens qui n'ont pas des mots pour le dire et pour comprendre. Donc, ce représentant de la Cinémathèque a dit calmement, même Pasolini s'en est pris à la police. Mais il a omis de dire, cette crap. Non, il a omis de dire, cet homme qui n'a pas les mots pour le dire, que si Pasolini avait dit ça, c'était simplement pour souligner que les policiers étaient aussi victimes de la bourgeoisie, des fils de pauvres gens n'étaient pas des fils de la bourgeoisie, et que souvent, c'est comme ça qu'ils font. Voyez, ils prennent des gens, et puis leur disent « Ah ah, attends, t'es plus un tonneau, t'as un fusil !»« Poum, 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 t'as un fusil !»« Poum, 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 t'es plus un tonneau, t'as un fusil, t'as un fusil !»« Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas les égorger tous !»« Ok, je vais les égorger. » Ouais, il faut pas qu'on prenne des cons. Le tunnel, c'est moi qui creuse. Hein, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui transporte les arbres, c'est je fais tout, je fais tout. Et les autres cons, ils sont là à la campagne, je sais pas où. Alors, moi, bah, je prends des otages. Ah, ce sera pour moi, Léon. Pour moi, pour moi. Bon, nous avons ces cartes. Mais c'est pas ça qui avait été à la Cinémathèque. Ce qui était important, c'est qu'à la Cinémathèque de Paris, quand il y avait une hibou, ah, c'était plus une Cinémathèque. Tout le monde parlait, et le policier m'a dit, bon. Le policier m'a dit, écoute, je vois que vous êtes en panique, vous pouvez sortir, mais vous ne revenez plus. Ovo će biti kao neka suma sumarum teksta, sekvencije 7, u kojoj se nekoliko mlađih i starijih žena nalaze u kolicima avionu ili u travi, a situacija je. Poštovani zaposleni u SFP, potpuno ste u pravu. Nisam ispunio obavezu koju sam dao da učestvujem u debati u vlastu prošlog petka u SFP. I još gore, u očima vaših poslodavaca, pošto vaše e-mail adresa predviđa da mi ne pišete u svoje ime, nisam upozorio na ovaj prebeg. Mogao bih da navedem razloge za ovaj prebeg, ali ne mislim da su vaši poslodavci za njih zainteresovani jer ih nazivaju ličnim problemima, jer za njih SFR ima vokaciju da brani nacionalno nepokornu francusku proizvodnju i u tom kontekstu lični problemi ih se ne tiču. Razlozi za moj prebeg delom se zasnivaju na izvesnosti da SFR, kao i svaka druga struktura moći, nikada neće promeniti svoj način rada, jer se zasnijeva na većinskom glasanju, čija je funkcija stvaranje nekog konsensusa koji isključuje bilo koji lični problem i koji brani integritet strukture od nekog spoljnjeg upada koji bi mogao da ugrozi njen način rada. Ovo je tačka u kojoj sam uzeo slobodu da se obratim radnoj grupi za paritet i integraciju društva i koje se tiče CNS-a i regionalnih i opštinskih komisija. Ti si rekao da ne razumeš srpski, prema tome sebi sada. I gore od toga, svako ko u dobroj nameri želi da transformiše strukturu iznutra, bit će marginalizovan. Ismejan strahom koji upravo izaziva preispitivanje strukture koje omogućava opravdanje prisustva kao i naknade za učešće. Moj nedolazak je znak podrške vašim poslodavcima koji će ponovo moći da blebeće o depolitizaciji mladih, o internetskoj kanalizaciji, o nesolidarnosti itd. A da nijednog trenutka nisu priznali sebi da su možda oni uzrok onoga što nazivaju depolitizacijom itd. Jasno, nije zato što vam vaši poslodavci daju reći da se između sebe podržavaju. Vi u svom pismu jasno navodite da je u pitanju bila rasprava među članovima i da pristajemo da se povinujemo njihovim okvirima.
Seljaci se ne moraju osjećati počašćenim odnosu na druge seljake koji nisu ispoštovani kada nas gospodari prozivaju. Nisu nam bili potrebni vaši poslodavci u okupaciji Nuit Debout, francuske kinoteke Bercy, okupaciji koja je okončana upadom CRS-a na poziv čelnika koji su bili članovi SFR-a. Na kraju ističete da bi vaši poslodavci otkazali sastanak i koktel da su znali da nećemo svi doći. Ali, također priznajte da imam pravo da mislim da je svrha snimanja mojih filmova i njihove projekcije stvaranje prostora za verbalnu konfrontaciju ljudi koji na ovakav način usporavaju odnos između hijerarhije i patrijarhata. Nije još gotovo. U tom smislu, nije na meni da se savijam pod disciplinom vaših poslodavaca koji kao i svaki poslodavac ne mari za lične probleme svojih podređenih. Ih uopšte nije briga za moje kritičare, sve dok ovi kritičari ne dovedu u pitanje plan finansiranja, u ovom slučaju koktel. Ja sam grupa, ja sam revolucija. Hvala vam na razumevanju na vašoj budnosti u budućnosti. Pierre Mereškovski, direktor osnovnog člana SFR. Bon, maintenant va débuter la projection du film. Mais il faut être clair. Il n'y a pas eu un vote du tout, ni majoritaire, ni d'assemblée concernant la mise en place éventuelle d'un projecteur ou d'une projection de film. Je sais bien qu'ici, peut-être c'était pas le lieu du vote ou de l'assemblée délibérative. Donc, en ma qualité de cinéaste minoritaire, je décrète que nous regardons un film et le film, il est là et c'est lui. Alors on peut passer un film en même temps, je m'en fous. Enfin, je m'en fous, c'est pas que je m'en fous, je sais pas. Non, je m'en fous, c'est pas gentil. Encore une fois, il faut comprendre que les gens n'ont pas les mots pour le dire. Donc, il faut ni s'en foutre, ni les traiter de salopards, ni de bureaucrates staliniens, ni de bureaucrates titis, ni de bureaucrates de la maison des écrivains socialistes. Alors, on peut mettre le son, mais dans ce cas-là, il va falloir parler fort. Ça va être pas clair. Non, il fait ce qu'il fait, comme il croit de la terre. Chacun est à sa place. Sa place est à chacun, et chacun fait ce qu'il croit devoir faire, puisque c'est une salle de projection qui devient un espace de confrontation publique permanente. Donc, vous pouvez envoyer le film, si vous voulez, ça m'est égal, je ne me tairai pas, quelle que soit la solution. On peut traduire, s'il vous plaît, un petit peu, brièvement. Pierre kaže da je u stvari film za njega kao umetnost centar konfrontacije onoga što želi da iskaže i šta želi da uradi. Tako da je, qu'est-ce que t'as dit? Ben, je dis que qu'on pouvait passer le film, j'avais pas d'opinion et que de toute façon, on ne fera pas taire, même si le film passe. Bilo, kaže, bilo da neko projektuje njegov film, mais da ne projektuje, da to neće promeniti njegovo mišljenje, njegovu akciju, revolucionarnu. Bon, qui veut passer le film? Who wants to go, the film go on? Ok, yo. Ok, thank you. Ok, ok. That's about 8 minutes only. Zatvorenik koji se mu... Yeah.